toi qui vends, si tu peux me gaber avec cuillère. Non. Pourquoi? Avec cuillère. Papa 23 m'a pas appris ça. Hein? Ah bon, hein? Ouais. Depuis Fontaine, quand j'ai grandi, c'est la main. Gaba, le moins, c'est la main. Cinq doigts qu'elle a eu pour mettre ça, non? Pour montrer à les morts que c'est Gaba. Mais si on t'a vu dans un restaurant, et puis là-bas, on mange avec cuillère, fourchette, un restaurant classe, tu vois. Et puis on met Gaba devant toi. T'as mangé la même avec lui. Non, en tout cas, même si non, on voit l'eau, moi il est ma mère, moi il pour mes sains, ma mère. On aura dit ici Gawa, moi il accepte, mais moi il pour mes sains, ma mère. Devant les gens, classe, devant classe. Devant les gens, ou pas devant les gens. C'est 444, papa 3500 volts. Tu as touché, c'est que... quoi? Ça, c'est ton nom, hein, c'est ton nom. C'est mon nom, c'est le Burisama. Il y a beaucoup de noms. On conseille pas Gaba avec lui. Oh my god. Donc tu as reconnu pour ça? Ouais. C'est papa 23443500, tu m'as touché, c'est que t'as touché à Gaba. Tu payes pomme, c'est ma mère. Bonsoir, bébé. Bonsoir, bien. Pourquoi est-il important pour un Ivoirien de manger Gaba avec la main? Attends, la question que tu as posée, il faut reposer encore. Je dis, pourquoi vous les Ivoiriens, vous aimez manger Gaba avec la main et pas avec cuillère? Et ce que tu dis, attends, mais tu entends? Oui, je m'entends. Manger Gaba avec cuillère. C'est comme demander à un blanc s'il y a blanc en France. Faut me poser la question. Demande à un blanc s'il y a blanc en France. Ah, pourquoi c'est compliqué, hein? Moi, un gars avec cuillère. Ça, c'est compliqué, hein? Mais souvent, on peut manger gars avec cuillère. Et puis, avec la cuillère, disons, ça fait plus classe. C'est pas. Tu sens le goût bien. Il n'y a pas de goût. Tchè, c'est comme on te dit, tchè, mon frère, si tu as remarqué les mariages forcés là. Tu connais pas la femme et puis on te prend, puis on vient, on te dépose sur chez toi. Tu veux quoi? Un mois, deux mois, et fuis. Attends, quand tu prends ton temps, tu la dragues ou côtoyer. Tu vois comment c'est doux, non? On prend mes gars avec lui, ça passe même pas même. Oh, c'est compliqué. Faut lui dire que ça passe pas. Tata, tu manges gabé. Ouais, le gabadon là-bas, appelle-le. Juste à dire que 100 francs, poisson 100 francs, oignon, tomate, un peu de cul magie. C'est un travail propre. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Yedio, en tant qu'Ivoirienne, en tant qu'une Ivoirienne, est-ce que tu peux manger à Tchéka avec lui? Non, jamais. Bien sûr. Hein? Oui. Et si on t'envie dans un restaurant chic, et puis c'est à Tchéka qui est au menu, à Tchéka poisson. À Tchéka poisson avec cuillère. Dans un restaurant? Non, je vais demander de l'eau. Ah, de quoi? De l'eau pour laver la main. Mais si tu accompagnes de ton chéri? Aïe, mais c'est mon chéri. Bon, et si tu accompagnes d'un pointeur? Un pointeur? Il ne s'agit pas du pointeur, il s'agit du menu. Puis c'est ça le Gaba, il ne peut pas manger Gaba avec cuillère, j'ai jamais fait ça. Bonsoir. Bonsoir. Yedio, en tant qu'un Ivoirien, est-ce que toi tu peux manger Gaba avec cuillère? Non, jamais. Ça passe même pas. Hein. Pourquoi le jamais? Hein? Au fait, non. En tant qu'un bon Ivoirien, le Gaba se consomme à la main. Cuillère, ça ne te donne pas l'envie de pouvoir manger, au fait. Cuillère, c'est pour manger les riz, les pommes. Oh, Gaba, c'est consistant. Et puis tant que tu manges pas ta main là, ça passe pas. Même si tu vas, on t'invite dans un coin chic, où là-bas on mange avec cuillère, puis on vient de poser devant toi. Dans le menu à Gaba, tu as mangé ta main aussi. J'avais menti découragement, c'est pas Ivoirien. La honte, ça tue pas l'homme. Ah, ok, j'ai compris tout, Afrique maintenant. J'ai mangé ma main, ça n'a rien fait. Mais pourquoi est-il important pour un Ivoirien de manger Gaba avec la main? On a trouvé ça là, historiquement parlant, on a trouvé ça là. Donc on est obligé de faire avec. C'est comme ça. Nous parlons d'avant, c'est la main. Oui, c'est la main. Avant, il n'y avait pas les cuillères, il n'y avait pas les fourchettes. C'est la main, on consommait. Donc, c'est obligatoire. Toi, si on met Gaba devant toi tout de suite, là, ça va manger cuillère? Non, c'est la main. C'est la main. Ouh. Mais la main, et c'est la main, là, tu sens le goût là-dedans. Toi-même, souvent, tu mets Gaba, non? Donc, là, c'est un moment pour forcer le goût là-dedans. Donc, là, c'est un moment. Bonsoir, bien fait. Bonsoir ma grande, c'est comment? Il a dit, est-ce qu'un Ivoirien peut manger Gaba avec cuillère? Quoi? André, tu n'as pas entendu. Il a dit, est-ce qu'un Ivoirien peut manger Gaba avec cuillère? Gaba, cuillère, ça sonne bien. Oh mon Gaba, il y a papa. Il est en train de nous faire une démonstration du Gaba, donc suivez bien. Attends, tiens. Hein? Gaba cuillère, tiens moi dessus là. Ça peut pas passer. Yeah! C'est une combinaison qui ne marche pas. Ah bon? Gaba qui est. Attends, t'as pas dessus là. Gaba, poisson thon, aromate, tomate, oignon, piment en poudre. C'est naturel. T'as pas dessus là. Gaba qui est. Faut nous montrer un peu parce que d'autres mangent avec cuillère.
Hey, il est en train de nous montrer comment on mange le gaba ivoirien. Pourquoi est-ce que quand tu manges la main, pourquoi est-ce que c'est doux? Bonsoir. Bonsoir. Yedio, en tant qu'ivoirien, est-ce que tu peux manger gaba avec cuillère? Gaba cuillère. Gaba, attiquer poisson grillé thon. Ça passe pas. Ça passe pas. Je suis blessé. Il y a un jeu ballon, je suis blessé. Dans mon gaba. C'est l'amour du gaba. Maintenant, nous montrons comment on mange le gaba. Attends, est-ce que tu trouves un goulet? Est-ce que c'est doux? Chégué! C'est doux. Mais un cuillère sera plus doux que ça ou bien? Ça passe pas? Ça passe pas, un cuillère. Donc c'est la main, ça passe. Voilà. Le coup de ça! Bonsoir vieux père. Bonsoir. Kedi, en tant qu'ivoirien, si tu peux manger gaba avec cuillère. Gaba avec cuillère, bon, c'est pas ça bien dans l'esprit. Hein. Mais quand on tient. Dans l'esprit. C'est pas ça bien. Quand on tient là, tu analyses gaba cuillère. Non, c'est pas possible quoi. Peut-être les petits bourgeois, le crocodile là, et PVC, mais nous, ça passe pas. Quand tu viens de Gap? Moi. Non, il vient d'une commune. Il vient de Kumasi, ça passe pas. Kumasi. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Donc ça, t'as vu des points chic. Ou là-bas, c'est un restaurant, mais on mange gaba là-bas. On dit, monsieur, voici fourchette, cuillère, couteau. Est-ce que tu vas laisser tout ça pour manger? Moi, même en tant que moussou, là, on t'invite dans un restaurant tout à l'heure, tant que cuillère. On dit, faut mettre gaba, t'as mangé. Réponds-moi aussi, c'est une question à double volet. Non, moi, c'est une question, moi, je te pose la question. Ok, mais la question est à double volet. Toi, en tant que moussou, tout à l'heure, t'invite dans un restaurant, te présente la cuillère avec fourchette, comme tu l'as dit, quand tu donnes le gaba, tu vas manger. Là, c'est une question à revoir. Ah, ça, à revoir. Ah, tu vois que ça passe pas. Même ton esprit, même, ça passe pas. Tu perçois pas bien l'image même, tu vois que tu peux pas même, ça passe pas. C'est impossible. Bonsoir. Bonsoir. Je dis, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'en tant qu'ivoirien là, tu peux manger gaba avec cuillère? Non, c'est pas normal. Mais pourquoi? Ça passe pas bien, parce que quoi? D'abord quand on mal mange la tiki. Un quoi? C'est la main. Tu vois, donc qu'il m'ouvre dans mon restaurant, bien dans un coin de gaba tiki. Tu dis quoi quand on mal mange la tiki? Voilà. Ça veut dire qu'on comprend pas bien. Maman, ça veut dire qu'on tourne elle la main pour voir mettre au soleil. Ou bien, donc d'abord que mon père dans un lieu de gabadrome, il achète mon gaba là. Il ne faut pas me faire manger avec cuillère au fait. Même si tu as vu dans un restaurant. Non, il ne faut pas te manger avec cuillère. Parce que dans un restaurant chic, elle est chic, mec, là-bas, toi, ça mangé ta main. Eh, ma main. Bon, à l'instant que tu manges avec ton adversaire. Et lui, il a une cuillère. Hein? Et puis toi, tu prends ta main. Genre, d'une manière. Ça va pas au fait. Ah, celui qui mange avec cuillère, toi tu le considères comme un adversaire. Ah, il est en retard alors. En retard, donc là. Elle la main là, voilà, c'est bon. Voilà, c'est alors, bon. Alors pourquoi est-ce que c'est important de manger avec la main? C'est quel goût qu'elle est dans? Bon, le goût est que quoi? Quand tu manges la main, ça veut dire non, bon, tu peux laper ton doigt, les mains. Le goût de ça. Souvent, non, mais tu peux manger avec cuillère quand tu finis de laper. C'est impossible quoi. Donc là, le gaba, elle fait la main. Parce que d'abord, même lui qui sait, même, il sait faire cuillère. Il sait sa main. Ça, c'est compliqué, hein? Donc, le gaba, même, doit être mangé avec la main.